1,7 secondaire. Et ça se traduit par une distance. Lorsqu'on connaît la distance de l'étoile, qui est à 130 années-lumière, on est capable de convertir ça en distance. Donc, la planète la plus proche, elle est à 24 unités astronomiques. C'est à peu près la distance de Neptune, de notre système solaire. L'étoile est âgée, comme j'ai dit tout à l'heure, de 60 millions d'années. Et elles sont à peu près 100 000 fois plus faibles que leur étoile. Le trou noir au centre, c'est que nous avons seulement masqué l'image parce qu'on sait qu'en dessous de cette distance-là, on n'a aucune information sur l'image. OK. Alors, ce que je vous montre ici maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte, on est allé voir les images d'archives du télescope Keck, et on s'est aperçu que cette étoile-là avait été observée 4 ans plus tôt, en 2004. Et on s'est aperçu que, vous voyez, B ici, il apparaît très clairement, et à peine C. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on était déjà très contents de pouvoir mesurer, trouver des images de planètes. Mais en observant l'étoile 4 ans plus tard, on a pu mettre en évidence son mouvement orbital. Donc, c'est illustré ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'image telle qu'observée en 2008, en septembre 2008. Donc, vous avez nos trois points rouges qui sont les planètes. Ici, c'est une version d'image qui n'est pas masquée, là. Et les croix, ce sont les observations faites en 2004. Donc, vous voyez très, très bien qu'il y a une différence. Alors, plus l'objet est loin, plus il se déplace lentement. Donc, on sait qu'ils ont des périodes, c'est-à-dire le temps que ça prend à la planète pour faire un tour, c'est de l'ordre de 460 ans, 190 ans et 100 ans. Donc, vous voyez, on a pu faire ces observations-là en quelques mois, mais ceux qui le font avec les techniques de vitesse que j'ai parlé au tout début auraient dû attendre 460 ans pour le faire. Donc, plusieurs générations d'astronomes pour y arriver. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les astronomes doivent développer des outils complémentaires pour arriver à faire leurs observations. Alors, on peut déduire plein de choses de ces objets-là. On peut aussi mesurer leur température. On sait qu'en mesurant la brillance de ces points-là, on peut comparer ça avec des modèles théoriques et en arriver à la conclusion que, bon, la masse de cet objet-là doit être à peu près 10 fois la masse de Jupiter. Et leur température aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des objets très, très chauds. 850 degrés Kelvin, là, c'est un petit peu plus chaud qu'un barbecue, là. Donc, d'un point de vue astronomique, c'est très froid comme objet parce que le Soleil, lui, a 6500 degrés. Donc, ça vous donne un peu une petite idée. Alors, ici, c'est un schéma qui illustre la dimension de notre système solaire, ici. Donc, ce que vous voyez, ce sont les planètes externes. On ne voit pas les planètes terrestres parce qu'elles sont beaucoup trop près. Donc, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et aussi l'orbite de Pluton. Et il y a une ceinture rouge ici qui illustre ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est une région du système solaire où est-ce qu'il y a plein de corps. Et vous voyez ici nos trois planètes, donc à la même échelle, vous voyez que c'est un système solaire qui est à peu près 2 fois plus grand que notre système solaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant. Est-ce qu'il existe des systèmes planétaires plus grands que le nôtre? Bien, la réponse, maintenant, on le sait, oui. Combien il y en a comme ça, on ne le sait pas encore, mais c'est en observant plusieurs de ces systèmes-là qu'on va en apprendre davantage sur l'existence, sur la prépondérance de systèmes comme ceux-là. OK. Alors, suite à notre observation au mois donc on était en novembre 2008, David Lafrenière, c'était juste avant Noël, a eu l'intuition d'aller voir dans les archives du télescope Hubble. Et il s'est aperçu que HR8799 avait été observé en 1998 par une équipe américaine qui cherchait, comme nous, des planètes. Et en fait, ils avaient observé 200 étoiles. Donc, David a pris toutes les images en public, n'est-ce pas? Il a pris toutes les images, il les a mis dans la moulinette de l'imagerie angulaire différentielle. Et voici les images originales qui avaient été publiées. Et donc, il y a une petite planète quelque part qui n'est pas évidente là-dessus, mais en analysant les images, la planète est apparue très, très clairement. Donc, ça a été publié très, très récemment. Donc, c'est un peu amusant de penser que pendant toutes ces années, où est-ce qu'on faisait des campagnes d'observation, on développait des instruments pour trouver des planètes comme ça, les images étaient juste devant nous, sur un ordinateur. Il suffisait simplement d'avoir une nouvelle technique pour les voir. OK. Alors, à peu près en même temps, en fait, exactement la même journée, dans la même publication, Science, s'est apparue aussi une autre découverte par une équipe américaine. Ce n'est pas l'œil de Sauron, là. Ici, là, c'est vraiment une image astronomique. Donc, ce que vous voyez, c'est une image du télescope Hubble, d'une étoile très près de nous, à 25 années-lumière. Et ce qu'on voit autour, c'est un disque de poussière, un peu comme la ceinture de Kuiper de notre système solaire. Et ce que vous voyez là, ben, ce sont des débris. Et nos collègues américains, en regardant cette image-là de plus près à une autre époque, ont trouvé un objet qui se déplace
entre 2004 et 2006. Et ça, c'est la signature très claire d'une planète. Donc, on avait déjà une deuxième planète qui venait d'avoir été trouvée, cette fois-ci par le télescope Hubble. Donc, cette planète-là aussi, elle est à une distance relativement grande, sans unité astronomique. Une semaine plus tard, j'étais à une conférence à Paris sur les exoplanètes et ma collègue française, Anne-Marie Lagrange, m'apprenait qu'il venait juste de publier une observation sur l'étoile Beta Pictoris, qui est réputée pour avoir un disque de poussière, un peu comme les disques protoplanétaires que je vous ai montré tout à l'heure. On a des observations de ça, et qui montrait la présence d'une planète à peu près à 8 unités astronomiques. Donc, c'est une planète candidate pour l'instant, parce qu'on n'a pas pu vérifier qu'elle est vraiment liée avec l'étoile, mais la probabilité est très, très faible que ce soit une étoile d'arrière-plan. Donc, en quelques semaines, on a découvert, en fait, 4 planètes. Donc, alors, le futur, c'est quoi? On continue nos campagnes d'observation de télescope. Voici un instrument qui est en développement, le Gemini Planet Imager. Donc, c'est un instrument qui sera 100 fois plus puissant que nos techniques actuelles. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais il sera en opération en 2011. L'Université de Montréal, l'Université Laval et aussi l'Institut Herzberg d'astrophysique sont activement impliqués dans ce projet-là. Donc, on espère pouvoir trouver plusieurs dizaines, sinon des centaines de planètes détectées par imagerie. Il y a la mission Kepler qui a été envoyée récemment par la NASA. Et Kepler, c'est une mission pour mesurer des transits, c'est-à-dire mesurer avec très grande précision la luminosité des étoiles. Donc, ce que va faire Kepler, c'est qu'il va se pointer sur une région du ciel dans la galaxie, à peu près la taille de la main, lorsque vous projetez ça sur le ciel. Il va observer 100 000 étoiles pendant 5 ans, constamment. Il va pouvoir mesurer une petite baisse de luminosité. Et avec ça, on va pouvoir déterminer la fraction des étoiles qui ont des planètes terrestres. Bientôt, on va avoir de très bonnes statistiques sur la présence de planètes terrestres. On ne va pas les voir, mais on va savoir par le transit qu'elles existent, qu'elles sont là. OK. Un petit peu plus tard, le télescope James Webb, le successeur du télescope Hubble, qui sera lancé en 2014, pour l'instant. Désolé, il y a eu un délai encore. Donc, c'est en juin de 2014. Donc, c'est un télescope gigantesque. La maquette du télescope était dans le Vieux-Port l'année passée. Voici de quoi elle a l'air, là, et avec une faible fraction des gens qui travaillent sur le projet. Donc, voici ici le miroir du télescope Hubble, qui, donc, ça donne un peu une perspective. Là, chaque segment, ils font à peu près 1,3 mètre de dimension. Le télescope du Mont-Mégantic, c'est 1,6 mètre. Donc, tout ce truc-là sera envoyé dans l'espace. Et le Canada fournit un des 4 instruments. Je dirige l'équipe scientifique canadienne de cet instrument-là. Et notre instrument s'appelle le Tunable Filter Imager. C'est une caméra infrarouge qui est particulièrement bien optimisée pour faire la détection de planètes extrasolaires. Donc, je vous montre une image ici simulée telle que vue par James Webb. Alors, vous voyez un paquet des millions de planètes. Mais quelque part là-dedans, il y a une planète. Et avec les techniques qui sont similaires à celles que j'ai montrées, qu'on appelle des techniques d'imagerie différentielle, on sera capable de mettre en évidence des planètes. Donc, ça, c'est le système tel que vu présentement, et vu avec James Webb, après traitement des images, on sera très bien en mesure de pouvoir détecter ces planètes-là avec James Webb. Mais on pourra en faire beaucoup plus que ça. Alors, en fait, une petite animation qui montre là, un balayage spectral, là, vous voyez la planète qui apparaît là, en mesure qu'on change la longueur d'onde. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce sont des nouvelles techniques qui sont mises au point à l'Université de Montréal pour faire ces observations-là. Donc, voilà une observation qu'on pourra faire. Donc, je vais passer là-dessus. Et je termine en vous montrant une animation de comment le télescope sera déployé. Vous imaginez que le télescope James Webb, qui a 6,5 mètres de diamètre, on ne peut pas le mettre comme ça dans une fusée. On doit le replier sur lui-même. Il sera envoyé avec une fusée Ariane en 2014. Et cette animation-là montre que le processus de déploiement du télescope. Alors, vous voyez, le télescope est tout replié sur lui-même. Il sera envoyé très, très loin. Contrairement à Hubble, qui est seulement à 400 km de la Terre, celui-là sera à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, on va commencer par déployer les panneaux solaires pour avoir de l'énergie, c'est important. Ensuite, la chose la plus importante, probablement, l'antenne qui sera déployée derrière. Ça, c'est l'écran solaire. C'est un écran qui est à peu près la taille d'un terrain de tennis. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est que c'est pour se protéger de la radiation du soleil. C'est que d'un côté, il fait à peu près la température de la pièce, et de l'autre côté, on regarde le vide intersidéral qui est très, très froid, 3 degrés Kelvin, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, comme ça, le télescope va se refroidir à une température d'environ 40 degrés Kelvin. C'est un télescope très, très, très froid. Et ça compte.